La séquence d'arrêt d'un moteur avec un variateur de fréquence est l'opposé de la séquence de démarrage. La fréquence et la tension sont diminuées progressivement. Quand la fréquence devient proche de zéro, le moteur est arrêté. Un couple de freinage faible est alors appliqué pour que le moteur arrête de tourner en roue libre plus rapidement. Un circuit de freinage extérieur peut rendre le freinage plus rapide. Il est constitué de transistors et de résistances, il dissipe l'énergie contenue dans le circuit. Les variateurs de fréquence 4 cadrans peuvent également freiner le moteur en envoyant l'énergie dans le réseau électrique. Intérêt : différents types de variateurs de vitesse modifiés. Topologie modifiée. Topologie d'un onduleur en source de tension. Topologie d'un onduleur en source de courant. Convertisseur à 6 pas, I, tension phase terre dans le pont redresseur, I, tension phase-phase dans le circuit intermédiaire, I, tension à la sortie de l'onduleur, le courant est en pointillé. Convertisseur à matrice directe. Convertisseur à cascade hyposynchrone. Les variateurs de vitesse peuvent être classés selon leur topologie, c'est-à-dire les relations entre leurs différents éléments, 28. Onduleur en source de tension, voire si contre, la tension continue sortant du pont redresseur est lissée à l'aide d'une capacité. L'onduleur utilise généralement la modulation de largeur d'impulsion sur la tension. Onduleur en source de courant, voire si contre, le courant continue sortant du pont redresseur est lissé à l'aide d'une bobine. L'onduleur utilise soit la modulation de largeur d'impulsion sur le courant ou un convertisseur à 6 pas. Convertisseur à 6 pas, voire si contre, 29, globalement obsolète, les convertisseurs à 6 pas peuvent être utilisés en source de tension ou de courant.